Se rappeler de sa dernière pensée avant de s'endormir. On a énormément de chances d'être là en vie comme ça. Genre, quelles sont les chances réellement que je sois là en fait, que je suis en vie? Et donc, je veux en profiter. Je veux vraiment profiter du fait que je sois là et de créer ma propre réalité et de créer tout exactement comme je désire vivre tout. Et voyez, si là on me donne l'option de ne jamais dormir, si ne jamais dormir était une possibilité, je ne le ferais pas. Je dormirais jamais. Je serais tout le temps soit en train de travailler, toujours en train de faire des choses, toujours en train de faire quelque chose pour du coup vivre cette courte période, parce qu'en réalité, le temps ça n'existe pas. Oui, le temps, on compte le temps, mais ça n'existe pas parce que c'est là à l'infini. Donc, et notre temps par rapport à tout le temps est minuscule. Donc, faire quelque chose à l'intérieur de cette petite intervalle là depuis où on est né et là où bah, notre temps s'expire, ben là, au début, avant d'apparaître, t'étais pas là, après, t'es plus là. Donc là, t'as cette période où t'es là et durant cette période, je veux faire des choses. Je veux créer ma propre réalité et en profiter du fait que je sois là. Quel rapport avec du coup dormir? Donc évidemment, il faut dormir. Il faut dormir parce qu'on est obligé de dormir. Mais si on ne pouvait pas dormir, je ne le ferais pas et je serais constamment en train de faire des choses, travailler, faire n'importe quoi. Mais ne pas dormir. Quand je dors, en fait, pour moi, je ne vis pas. Quand je dors, on est inconscient. Et sauf à part quand on rêve. Mais oublions le fait qu'on rêve. Moi déjà, je me souviens pas de mes rêves. À Skip, toutes les nuits, quand on dort, on a forcément des rêves. Mais quand je me réveille, je me rappelle pas de mes rêves. Et donc c'est comme si, genre par exemple, je m'endors à minuit et je me réveille à 4 heures du matin. Pendant ces 4 heures-là, j'ai été mort. Pour moi, pendant 4 heures de ma vie, j'étais mort. Le rapport avec se rappeler de sa dernière pensée avant de s'endormir, au début, ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué parce que si t'es là dans ton lit en train de penser à essayer de penser à la dernière chose que tu penses avant de t'endormir, bah tu vas pas réussir à dormir et ça faut pas le faire. Du coup bah ça va être dur au début. L'objectif, le but, ça va être de se réveiller le lendemain et se rappeler de la toute dernière pensée que j'avais avant de m'endormir, de pouvoir tout filtrer, parce qu'avant de s'endormir, on a toutes ces pensées, on a je ne sais qui de l'école, on a toi, on a ce que t'as fait là, on a un truc que t'as fait il y a 3 ans, on a tout ce bordel, toutes ces pensées, on a toujours plein de pensées, on a énormément de pensées qui viennent tous les jours, et ça c'est une autre chose, je veux constamment être présent au moment présent, être conscient du moment présent, et de pouvoir tout vivre, de pouvoir avoir toute l'expérience de absolument tout, de A à Z. Le temps, il passe très vite. Et de pouvoir... Il y a une technique, je le sais, les gars, il y a un crack, je le sais qu'il y a moyen de pouvoir étendre ce temps. Et comment? Si tu arrives à te rappeler de ta dernière pensée avant de s'endormir, bah, ça va directement se lier à quand on est en train de dormir, à notre inconscient. Parce qu'en fait, on est toujours constamment en train de vivre dans le moment présent. Le passé, c'était le présent d'avant et le futur, c'est le présent de plus tard. Donc on est toujours dans le moment présent et toutes nos mémoires, tous nos souvenirs se construisent par rapport au moment présent. Et nos rêves, la capacité de se rappeler de nos rêves, ça fonctionne exactement de la même manière que le rappelage, pas le rappelage, mais comment on dit, le souvenir, ça fonctionne de la même façon que la réalité. L'inconscient et la réalité, ça fonctionne exactement de la même manière. Et si tu arrives à faire ça, de te rappeler de ta dernière pensée avant de t'endormir, et de pouvoir tout filtrer, chacune des pensées, tout, avant de t'endormir, bah, tes rêves, en fait, tu vas pouvoir te rappeler de tous tes rêves, de te rappeler de absolument tout, et peut-être même construire tes propres rêves. Et en fait, moi, du coup, si, en revenant à ce que je disais avant, si je pouvais ne pas dormir, je dormirais pas pour du coup vivre absolument tout. Et moi, pour moi, quand je dors, je suis mort, je suis pas là et du coup, ça enlève du temps de cette vie-là. Et pour doubler, parce que en fait, dormir, ça prend énormément de temps. Moi, je dors beaucoup moins que la moyenne, mais en mode, imaginons, genre, tu dors la moitié de chacune de tes journées. Donc, en fait, t'es en train de diviser ta vie entière en deux, t'as une vie, t'as un certain temps, et t'es en train de le couper en deux, du coup t'es réellement en train de vivre qu'une seule partie. Mais du coup, et l'autre partie, tu l'oublies, genre tu sais pas qu'elle est là, genre en mode t'es mort
une moitié de quand t'es réellement là. Et imagine, tu pouvais te souvenir de cette partie. T'auras l'impression d'avoir vécu deux fois plus longtemps et t'auras l'impression d'avoir vécu entièrement de tout, tout, tout. Donc si il y a vraiment, si donc il y a moyen d'entrer dans ses rêves et de pouvoir contrôler ses rêves et de se rappeler d'absolument tout, de pouvoir, parce que je sais que c'est possible, hein, ok, prenez-moi pour un fou, dégagez de la vidéo, mais faites ce que vous voulez, moi je le sais. Et donc d'allonger, de pouvoir vraiment vivre à absolument chaque instant, absolument tout, comme si, exactement comme si, t'aurais jamais dormi de toute ta vie, te rappeler de tes rêves. En plus de ça, en fait, c'est cool que ça existe, le fait de dormir, parce que du coup on dort et on est mort pendant qu'on dort, on est inconscient, on sait pas, mais si du coup prenons le fait qu'on ne peut jamais dormir et que du coup chaque instant est toujours une réalité, imagine une version d'une réalité où tu pouvais construire absolument tout, faire claquement de doigts et bam, genre voilà. Et ben ça c'est un rêve où tu peux contrôler ton rêve. Il y en a, ils appellent ça un rêve lucide. Mais imaginez, du coup, tu prends une partie de ta journée, de le mettre en inconscient et de pouvoir te transformer en un super-héros. Imaginez, vous avez une partie de votre vie, du coup, voilà, t'es en train de construire ta réalité dans la vraie réalité et t'as la partie inconsciente où constamment, genre, en mode, t'es un super-héros, t'es... Genre... Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc, mon but, c'est de pouvoir faire ça et de réellement pouvoir... avoir la mémoire de absolument tout. Parce que du coup, là, il y a des parties dans ma vie où je me rappelle pas, genre je suis mort, c'est je suis mort. Si je reprends la nuit dernière, là, la nuit juste avant, là où j'ai dormi, bah je me suis endormi, et là je me réveille. Et en mode, t'as ces heures là qui se sont écoulées, ces heures que tu récupéreras jamais. Jamais tu vas les récupérer. Ils sont partis, c'est tant pis pour toi. Donc, et durant cet intervalle de temps, Mais je me rappelle de rien. Et en fait, quand tu te rappelles de rien, quand t'arrives pas à te rappeler de quelque chose, bah t'es mort. Donc c'est ça ce que je veux dire. Et voilà pour cette vidéo, se rappeler de sa dernière pensée avant de s'endormir, pour du coup étendre cette période. Aussi voilà ce qui se passe avec mes cheveux quand je me coiffe pas de toute la journée. Donc prenez-moi pour un fou, faites ce que vous voulez. En tout cas, moi je crée ma réalité, je vis ma réalité, vivez la vôtre. Voilà.